Massica. Quelle année des choses nouvelles. Si c'est comme ça, je ne pouvais pas beaucoup trop parler. Est-ce que vous vous entendez là au coin? Oula Sika, Bakambo Sika. Quelle année des choses nouvelles. Nous allons consacrer la paix au Seigneur.
soit de bonnes choses pour toi. Et que Jésus dit que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et nous avons fait la salle à la campagne à la campagne à la comme je dis, on peut cette action de grâce, mais l'autre espèce, ça n'a pas de problème. Si les jeudis, tu n'avais pas donné ton action de grâce, aujourd'hui, tu vas les donner, il n'y a pas de problème. Nous sommes pour la gloire de Dieu. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, nous prenons l'individu. Zanga, comme vous, mais à ton cousin, ma commis. Dans un livre, il y a Daniel chapitre 3. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au 3e verset. Mon logo, il y a un poisson qui donne à mon logo à Missa. Vous qui écrivez, vous pouvez écrire le tout, les trois. On peut vous aider pour la lecture. La lecture, le Pélémi Bodota. Nous nous levons pour nous lire. Un ministre là, Péli. Pour un frère qui est disposé ici devant. Donc, on peut lire rapidement. Le frère qui est là pour la lecture. Daniel chapitre 3, le verset 1er, nous descendons. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Haute de 60 coudées. Et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura. Dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs. Les grands juges, les trésoriers. Les juristes consultent les juges. Et tous les magistrats des provinces. Pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Okay. Acclamez pour cette écriture. Nous remercions encore notre Seigneur. On a tombé les loyaux. Pour ce matin. Les amis qui étaient invités du saut. Ce n'est pas un homme qui nous a invités. C'est-à-dire l'invitation de ce matin, ce n'est pas un homme. Donc l'objet était bien en bas, comme on a les amis mototés. Les amis politiciens étaient. Ce n'est pas aussi un politicien. Ça tombe sous le bazar d'invitation par politicien. D'autres ont eu l'invitation des politiciens. Bah, espérer de ça. Ils ont espéré. Bah, qui m'a colo, à Zongi m'a colo. Il est parti à pied et il est rentré aussi à pied. Maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Ah là, que la maman paye à Zali Koli qui n'est pas une moto. Ben, colo, ce qui a invité, yo. Mais si l'éternel t'invite. Ah bon, il s'agagne, c'est à Roland, à Mopona, yo. Ah, il arrange tout pour toi. Sauf que la Kimia est athée, qu'on ne soit pas invité au Kokosoka na Kimia. Si tu n'avais pas la paix quand tu étais venu, l'Éternel te donnera la paix, tu rentreras en paix. Qu'on ne va pas guérir sa tête, donc il y a Moïse. Le Seigneur qui a éclairé, qui a fait luire le visage de Moïse. Et donc il dit, ça veut dire qu'il y a un temps où il y a eu là pour guérir ses loquines. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il va aussi faire luire ton visage. C'est un petit et la nuit allait mobile et traverser du bâtiment. On va les faire venir jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes pour nous, on a colonné ce poste. Tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Il faut en aller, c'est pour repousser la gagne pour son aïe. Il faut avoir la joie de s'approcher devant Jésus. Attends, au monde, il dit qu'on aura un capoteau si batté pour vendre la gagne. Même si ces jours-là, les choses ne tiennent pas, ne restez pas à la maison. C'est forcé comment ici gagner sur les lacas. Fais l'effort d'arriver là où Jésus passe. Yesu wanaza na makoki ya boko pour la situation. C'est Jésus a la capacité de changer toutes les situations. Aza na makoki. Il a la capacité. Ce qui n'a pas Jésus sur la table ya Lazare. Si je regarde encore dans la maison de Lazare. Jésus Christ a continué la table ya Lazare. Jésus entre dans la maison de Lazare.
Matanga. Bato bazo lela. Il y avait deuil, les gens pleuraient. Mais quand Jésus entre, kasi tango Yesu akoti. Bazwaka matanga, ndako matanga komisa ka yango ndako ya Yesu. Il prend deuil, il échange à l'allégresse. Sika bato bazo lela, bakomboli ko lela. Là où les gens pleurent, ils changent ses pleurs. Pourquoi? Parce que Zampate Oya Pakosakamaï. C'est parce qu'il est cet agneau qui est sur les larmes des yeux. Pour les lipémines, il a tombé à l'eau, Pakosakamaï, il a mis sur la porte de Jésus-Christ. Il a beaucoup pleuré aujourd'hui, ce matin, qu'il est sur les larmes de tes yeux, au nom de Jésus. Maintenant, nous prenons l'écriture. Si quand tu suis l'icomi. Nous venons de lire l'écriture. Nous allons sur la chute de la tour et la conquête. Nous allons lire la colonne, comme nous avons la colonne, peut comprendre sa maya et tout. Alors, l'écriture n'a pas de base, où ils ont servi de base, ils ont l'écriture de balai. Il y a deux écritures qui nous servent de base. C'est Apocalypse chapitre 8. Aussi Josué chapitre 6. Maintenant nous entendons Apocalypse chapitre 8. Quand nous lisons l'Apocalypse chapitre 8, Basui, sept trompettes, Bapesi Yango, sept anges. On a pris sept trompettes, on a donné à sept anges. Sans pour autant donner les détails, pourquoi on a donné les sept trompettes aux sept anges. Voilà pourquoi le rôle est petit, les alaka isolés. Talatina, comme l'écriture n'était jamais été isolée. Ce qu'on lit l'écriture, il faut le prendre qu'on aille. Si tu vois une écriture, il faut chercher aussi sa sœur. Dès que nous avons il y a Apocalypse chapitre 8. Nous sommes allés chercher la sœur de l'Apocalypse chapitre 8. Et dès que l'Apocalypse chapitre 8, c'est Josué chapitre 6. Et sa sœur, c'est Josué chapitre 6. Raison pour laquelle Nathan nous voyait dans Josué chapitre 6. C'est pour cela que nous sommes venus dans Josué chapitre 6. Nous avons remarqué, nous avons mis sur 7 trompettes, nous avons mis sur 7 sacrificateurs. Nous remarquons là aussi, on prend 7 trompettes, on les donne aux 7 sacrificateurs. Parce que dans Josué chapitre 6, il s'agit de la marche d'Israël vers la possession de sa terre. Kuna na kati na Josué chapitre 6, bazali kolobela tina ya kotambola Israël kino na kosambola ozali mabele na bango. Alors Israël na tango azotambola po ete aposede mabele. Tango Israël azali kotambola po qu'il possède la terre. Akomi na Josué chapitre 6. Il arrive dans Josué chapitre 6. Et akoutami na un obstacle. Il rencontre un homme. Il rencontre un obstacle. Et l'obstacle là, c'était la muraille de Jéricho. Et nous disons, la marche d'Israël, c'est aussi la marche de l'Église, c'est aussi la marche d'un fils de Dieu. En d'autres termes, aux Alamois, dans Zambé, est allé ici de Dieu, par le bout d'Israël. Être enfant de Dieu, cela n'exclut pas que toi tu aies des combats dans ta vie. Il y aura des combats. Il y aura aussi des obstacles. Mais seulement la différence, il y a une différence entre un enfant de Dieu et un païen. Moi, l'enzambé, un enfant de Dieu ne marche pas seul. Moi, c'est-à-dire, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, marche avec les promesses de Dieu. Comme tu es là, tu marches avec les promesses de Dieu. Voilà pourquoi, ce qui est obstacle, c'est que tu es venu pour la muraille de Télémaki. Quand il y a un obstacle comme la muraille qui s'est élevée devant Israël, Dieu va faire sortir une promesse de son plan. Vous voyez? C'est-à-dire, le miracle était élevé. Il dit que le miracle était élevé. Parce que selon les écritures, le miracle était la miracle, c'est aussi la haute montagne, c'est aussi la tour fortifiée.
Alors, s'il y a une montagne devant toi ou une miraille, il y a une promesse qui est pressée pour qu'il sorte devant toi. Qui est dit que la montagne devant Zorobabel? Aïe, aux amis, la ligne, on va les à Zorobabel. Qui sera à Zorobabel? Aïe, au revoir, au revoir, ça va. Maladie, si tu rencontres un obstacle qu'on appelle la maladie, il y a une promesse qui va sortir. Et ça peut être la camoufle que tu vas imposer là. Il s'est chargé de nos maladies. Ah, il y a un maquis pour qu'on en ait besoin. Il va se mettre ici dans son corps. Ah, et ça l'intègre à ma pipi, là, il est plus au début. Sur la difficulté, si tu rencontres des difficultés, il y a une promesse qui va sortir. Et ça peut être la camoufle sous ce combat. Et c'est pour qu'il ne manque jamais au bout d'un moment. Ah, ça dit du soumis. C'est seulement il faut comprendre les gars qui est. Seulement tu dois comprendre que. Ah, toi tu ne marches pas. Tu marches avec les promesses de Dieu. Est-ce que les promesses de Dieu accompagnent chacun de nous au nom de Jésus? Maintenant, devant cette miraille-là, si comme le liposon est tout haut, va recevoir cette trompette va payer 7 sacrificateurs. On prendra 7 trompettes et on donnera à 7 sacrificateurs. Mais plaçons la Josué chapitre 6 pour comprendre pourquoi va appeler ça qui 7 trompettes dans 7 sacrificateurs. Nous comprenons dans Josué pourquoi on a remis 7 trompettes à 7 sacrificateurs. C'était à cause de cette miraille là. Et ça a dit qu'à la tina il y a et tout hein? Miraille, il faut le couer. Ah, le miraille doit tomber. Parce que ma sacrificateur va couer ta trompette. Parce que les sacrificateurs vont sonner les trompettes. La bêtise à mon à deux temps. Et quand ils vont sonner en deux temps, le 6 premier jour et le 7e jour. Ah, Nicolas Sambo est pour sauver mon colère. Il y a Sambo. Et Souka comme objectif est Mirai et Samini. Et jusqu'à la fin, l'objectif est que le Mirai tombe. Zambé a dit sa poésie, ça va Mirai. Notre Dieu fait tomber les Mirai. Zambé a dit sa poésie, ça va Gomba. Notre Dieu fait tomber les montagnes. Bangomba. Les montagnes et les mirailles qui vont s'élever devant toi doivent tomber au nom de Jésus. Pourquoi Daniel chapitre 3? Pourquoi nous avons pris Daniel chapitre 3? Aujourd'hui, Daniel chapitre 3 parce que nous sommes en face d'une statue. C'est parce que nous sommes en face devant une statue. Et cette statue est levée par Nebuchadnezzar. Et quelque oyo et Salema qui est pas là. Selon les Écritures, Esaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, nous insistons que la miraille est à la pâte, Ngomba ya Moulaï, et tout c'est aussi une grande montagne, et Zalarapé est sous la tour élevée, c'est aussi une tour qui est élevée, comme la tour de Babel. Le cola est tout haut et à Babel. Et les Arabes montent haut et à Zamoulaï. Ah, c'est aussi une personne qui est géante. Et ici, la statue, c'est une personne qui est géante. Ah, Awa, et que vous allez monter haut à Zamoulaï. C'est-à-dire, c'est la même chose avec cette miraille fortifiée. Ah, Nicolas, bah, et Zali, dès que mon cola est tout haut et au bas, ça y a mon macasse. Alors, Nebuchadnezzar a décidé. Oh, Nebuchadnezzar s'est décidé. Asa la statue Moko Yamulai. Qui érige une statue, une longue statue. Statue Wana, hauteur d'Ango et Zaragi, 60 coudées. Et cette statue qui avait une hauteur de 60 coudées. Largeur d'Ango et Zaragi, 6 coudées. Et sa largeur était de 6 coudées. Et Asa le Yamo Yamor. Et il a érigé en or. Azu Yamo, Ache Yamo, la vallée de Dora. Et il va la placer dans la vallée de Dora. Dura. Et on va comprendre qu'en ces temps-là, et vous allez comprendre que dans ces temps-là, Nabucodonosor régnait sur toutes les nations. Nabucodonosor, il y a dans la Bible cause de colonne à colonne. Parce que la Daniel, au chapitre 3, le verset 5, aux autres qui t'attirent à ce. Parce que dans ces livres de Daniel, dans le verset 5, jusque vous descendez en bas, Nabucodonosor a coupé sa ordre. Nabucodonosor va donner un ordre. Alors, il dira que vous puissiez dire dans toutes les nations, tout
et toutes les langues. Ah, picolo nyoso, mabota manyoso, pe bakota nyoso. Soki banobi, tout le peuple, toutes les nations et toutes les langues, comprenez que c'est un roi qui régnait na ba picolo nyoso. Ah, soki balobi ngwana, il faut comprendre que c'est un roi qui régnait sur toute la terre. Et il avait donné un ordre. Payer après sa vie n'est ordre, on va dire que l'ordre c'est un commandement. Ah, ndingisa, on va dire ndingisa, et sa vie n'est un commandement, c'est un commandement, c'est un commandement, c'est un commandement. Ah, le commandement veut dire que si tu n'appliques pas cela, il y a une conséquence sur toi ou une sanction. Alors, l'écriture nous dit qu'il faut un euro à Ghana. Ah, l'écriture dit qu'il fallait un euro qu'il puisse crier. Héros ici, ce n'est pas héros, il y a celui qui fait des exploits. Ah, c'est héros ici, ce n'est pas Motoro, il y a un frère qui peut écrire ça, il peut venir, on fait un peu la différence là. Héros, on va voir la Hawa. C'est héros dont on parle ici. Dans l'Antiquité. Na Batango Yakala. Héros, on a Azaraki. Un chef militaire. Ces héros, c'était un chef militaire. Mais qui était porté parole. Ah, Yéo Azala qui m'olove. Comme un messager. Ah, Lokola, oh, ils allaient m'omettre. Lokola, si qu'on a RPC, tu es dans l'état de siège. Ah, comme aujourd'hui, nous sommes dans l'état de siège. Selon la police, il y a porté parole, il y a la police. Selon qu'il n'y a pas la police, ils allaient là m'omettre. Ok, la FARDC, ils allaient porté parole, il y a la FARDC. Selon qu'il y a la mampina, ils allaient m'omettre. Dans l'antiquité, porte-parole, on a Azaraki, un officier militaire. Dans l'antiquité, ses porte-parole était un officier militaire. Et Yende Moutou a chargé une mission, on a il faut attendre. Ah, c'est lui qu'on l'avait chargé pour qu'il crie. Alors, il était son qui voyait qui sont la musique. Ah, il dit, lorsque vous allez entendre les sons de la musique, il n'a pas pu être la colonie. À vous, les habitants de toutes les nations. Vous allez vous agenouiller devant la statue que le roi a érigée. Et conséquence, les arabes qui monteront au Fukamate. Mano, c'était la personne qui ne va pas s'agenouiller. Ah, on devra les jeter dans une fournaise, chauffer cette fois. Nous sommes en train de lire d'abord l'écriture. Mais on remarque qu'il y avait trois amis de Daniel. Et vous allez remarquer que Banimamisatu y a Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Maman va nous dire des pissots aux juifs. Eux, ils ont dit que nous sommes des juifs. Nous ne nous agenouillons pas. Ils ont fou comme la taille. Nous nous agenouillons devant l'Écriture. Nous fou comme la taille évangile éternelle. Nous agenouillons devant l'Évangile éternel. Le roi de Nebuchadnezzar était un orgueilleux. Ce qui m'étonne, si vous prenez Daniel chapitre 2, quand il a eu son songe et il a recouru aux magiciens, aux astrologues, aux dominions, aux babylones, aux babylones. Il a recouru aux magiciens, aux sorciers, aux astrologues. Mais Daniel a assemblé, Nzamba a révélé notre roi et pas Daniel. Mais Daniel a prié et Dieu lui a révélé ses songes. Et notre roi, oui, la bosse a dit, c'était une équation pour le roi. Parce que les songes qu'il avait oubliés, c'était une grande équation. Mais Nzamba a dit, c'était une équation pour le roi. Ce qui est difficile et il est rend facile. Et Daniel a prié. Et Daniel a prié. Nzamba a dit Toto y a la vie de la comme ici à mon père. Dieu a pris les songes de Nebuchadnezzar et il a. Pour dire tout simplement que la prière est capable. Pour la colocation de l'eau de prendre les choses difficiles. Et les rendre faciles. Et à cause ça vous pète. Comme il a eu fait la mort de l'eau sable. Celui qui prie beaucoup ne craint pas. Attends, ma caméra compliquée. Même si des choses sont compliquées. Il faut que le sang, c'est la spécialité. Et c'est dit, oye, que la prière, c'est une spécialité. La spécialité de prendre les choses difficiles et les rendre faciles. Et ça, ma coquille, à cause de ma campagne, ça m'a cassé. Et je demande à la prière. Quand on a le sang. Maintenant, ma caméra, ça va aller pas. Il a eu cette
dit, ah. Nous allons voir quel Dieu qui va mais vous aider. Mais Shadrach, il y a Meshach là, des négociations. Ah, les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, c'est le même. Il y a qu'à quand même, vous pouvez voir qu'il y a un problème difficile à comme ça, il y a beaucoup facile. C'est lui-même qui a pris ton problème qui était difficile. Il y a moi, Shadrach, Meshach, Abednego, Balobi. C'est pour cela, Shadrach, Meshach, Abednego. Les âmes de la biche sont à Zana, à Bakouka, au camp pour la biche sont dans le bon combat. Soit qui la part de Dieu, ils sont pris la part de Dieu. Les hommes n'est pas soit qui parle dans la parole. Ah, et Dieu aussi a pris leur part. Soit qu'on la part de Dieu. Si toi tu prends la part de Dieu, les hommes n'est pas qu'on part. Dieu aussi prendra ta part. On n'a pas mon nom, on n'a pas mon nom, Jésus. Dieu t'élimine son nom de Jésus. Ah, ça, le nom de l'homme, on n'a pas mon nom, Jésus. Que fasse du bien au nom de Jésus. Bah, ça va qui dit ça, toi. Ils étaient trois. Avant qu'il m'a mon nom, on les a jetés dans la porte. Mon nom, il y a eu. Ah, il y a eu quatre personnes. Verset 5,
le verset 6. L'écriture est au sujet d'une femme. L'écriture montre ceci au sujet d'une femme. Il y a une question qui se pose. Mais ce qui question s'est posée, réponse est à la carte. Ah, si on pose une question, on doit en donner aussi la réponse. Alors bien dit, qui est celle-là qui vient du désert au milieu des murs et de l'encens? C'est-à-dire, va poser des questions. On a posé la question. Après, va répondre à la question. Après, on répond à cette question. Voici la litière de Salomon. Par là, nous comprenons que cette femme qui est sortie du désert, voici au milieu de l'encens et de la mûre, c'est la litière de Salomon. Litière à Salomon, asa moi si mobimba. La litière de Salomon, c'est toute une femme. Parce que total ici, nous avons montré ceci. En dehors, il y a trône. La Libana, il y a un bende. Salomon a Zalaki la litière. Salomon avait aussi une litière. Litière, c'est une chaise portative. Litière, oh, et Zali Tipo, il quitte, oh, va m'émaka. Ah, n'est-ce pas, traducteur à son oba, et Zalaka Tipo. Donc, on prend cette litière, on les fait en bois. Mais on les fait avec la plante qui est provenue, des bois qui est provenue des païens. On a fait avec les bois qui provenaient du Liban. Alors, nous étions où tu es pas à papaya. Ces bois provenaient des étrangers. Nous étions où nous sommes là. Cette plante que nous sommes en train de parler, selon les Écritures, Luc chapitre 23, le verset 31, les bois, ou bien la plante, c'est un homme ou ce sont des hommes. C'est-à-dire, nous étions où nous sommes là. Les plantes que nous sommes en train de parler ici. Ce sont des gens qui sont provenus des étrangers. Mais quand ils sont arrivés chez Salomon, on prend ces bois, on donne aux sages de Salomon pour qu'ils leur donnent la forme. Le serviteur de Salomon va faire sa forme. Basali à Salomon donne la forme. Salomon, ce n'est pas le Salomon de l'ombre. C'est-à-dire le véritable Salomon, c'est le Seigneur. Mais le fait que Salomon lui a donné la forme, le fait que Salomon a
Mais les souverains
chandelier a des branches. Chandelier mobile, mais ça la fruit. Le chandelier qui a des fruits. En d'autres termes, chandelier, c'est la grandeur. Ah, le chandelier, c'est un arbre. Dans les écritures, le chandelier, c'est un arbre. Okay.
Jésus, nous nous couvrons. Nous demeurons pour le Dieu.
C'était comme c'est ce qu'on avait dit la fois passée. La politique qu'on appelle la mondialisation. Politique parce que les gens qui nous sommes en train d'avancer avec le monde. Donc il est comme un bon camo. Le monde deviendra un seul pays. Le monde deviendra un seul pays. Il ne s'est pas limité par là, il fallait qu'il...
travail. Parce que largement, il y a ça là qui. Parce que cet âge qu'il a fait, c'était l'expression de ce qu'il a fait. Ah, il a dit que Kotani Samaya et l'obéit. Ah, par là, nous comprenons. Là, voilà, tu as mis le sens là. Sans qu'il te voyait, qu'il te voyait, la voyait au côté. Quand nous écoutons, nous n'allons pas nous. Il faut que nous puissions manifester l'œuvre. Ah, c'est même Kotani Samosala. Moussala, où y a Kali Saki? Cet homme qui l'a manifesté. D'accord, Moussala, où y a Kali Saki à la table en face. Il n'y a pas ça, on est de s'évoquer de Zambé, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça.